Bonjour, je vous propose un nouveau tutoriel sur EBPPay Pro 2016 sur le thème de la paye à l'envers et des indemnités journalières. Nous verrons donc comment, lorsque vous recevez le décompte de la sécurité sociale au niveau des IJ net, comment reconstituer donc le net à payer que devrait percevoir régulièrement le salarié pour que EBP calcule lui-même donc des IJ bruts à travers donc la fonction paye à l'envers, et nous verrons après des exemples de paye à l'envers, par exemple lorsque vous souhaitez donc donner une prime qui se calcule tout seul à partir d'un net à payer souhaité. Donc le premier cas de figure que je vous propose, c'est comment eh bien mettre en place donc les indemnités journalières sur un bulletin de paye. Nous allons donc prendre un exemple d'un salarié. Donc là, si je prends